أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا مستويا ثم قال: هذا سبيل الرشد وصراط الله فاتبعوه، ثم خط على كل جانب 6 خطوط ممالة، ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه فاجتنبوه، وتلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Il ne fait absolument aucun doute que c'est dans l'attachement au Coran et à la Sunna selon la compréhension de nos pieux ancêtres que réside le salut. L'innovation et l'égarement ne mènent qu'à la perdition. Dès lors, quiconque se détourne du livre et de la Sunna sera ballotté entre les différentes voies de l'égarement. On peut résumer les facteurs qui conduisent à l'apparition de l'innovation dans les points suivants: l'ignorance des prescriptions de la religion, l'attachement aux passions, le fanatisme à l'égard des opinions et des personnes, la ressemblance aux mécréants et leur imitation. Premièrement, l'ignorance des prescriptions religieuses. Nous savons que plus le temps passe et plus les gens s'éloignent de l'empreinte du message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, moins la science se propage et plus l'ignorance se généralise. Par conséquent, seule la science et les savants sont à même de combattre l'innovation en religion. Et dès lors que ces deux éléments sont absents, toutes les conditions sont réunies pour permettre l'émergence de l'innovation et l'activisme de ses adeptes. Donc, chers frères, chères sœurs, apprenez votre religion et délivrez-vous des carcans de l'ignorance. La science puisée des savants dignes de confiance est source de bonheur et de protection. Deuxièmement, l'attachement aux passions. En effet, quiconque se détourne du Coran et de la Sunna en vient nécessairement à suivre la voie de ses passions, car l'assouvissement des passions est plus facile pour la personne que l'apprentissage raisonné de la religion et de ce qui peut être utile. Troisièmement, le fanatisme à l'égard des opinions et des personnes. L'attachement fanatique aux opinions véhiculées et aux hommes constitue un obstacle et une barrière qui empêche une personne de suivre les preuves et de connaître la vérité. Or, ceci s'applique en tout point à certains adeptes d'écoles de jurisprudence, du soufisme, de l'adoration des tombes, d'écoles de pensée, etc. Dès lors qu'on les invite à suivre la voie du livre et de la sunna et à rejeter tout ce qui les contredit, ils se justifient en s'appuyant sur leur école, leur chir ou leurs ancêtres. Chers frères, chères sœurs, le fanatisme mène au sectarisme et à l'égarement. Ne justifiez jamais votre point de vue par l'opinion d'une personne en la considérant comme une vérité sans contestation. Cherchez la vérité où qu'elle soit et demandez à Allah le raffermissement. Quatrièmement, ressembler aux mécréants et les imiter. C'est l'une des plus importantes voies conduisant à l'innovation. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Citons ici, entre autres, les fêtes de commémoration de certains anniversaires, l'assignation de jours ou de semaines pour des actions spécifiques, la célébration de certaines occasions religieuses et de cérémonies de souvenirs, l'édification de statues et autres mémoriaux, sans oublier toutes les pratiques innovées liées aux offices funéraires, ainsi que l'édification de constructions sur les tombes. Allah dit: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلاً